Exécuter quelques techniques apprises au cours de leur formation à travers un scénario qui vous sera présenté incessamment. En effet, à l'issue de leur formation, les nouveaux brevetés seront affectés dans les unités commando, à savoir des escadrons commando et des unités spécialisées au sein desquelles ils recevront des qualifications spécifiques. Les missions au niveau des escadrons comportent un certain nombre de tâches qui vont des plus classiques aux plus complexes. Ces gradations dans la réponse aux situations est caractéristique de la réversibilité des gendarmes commandos, à même de lutter contre le grand banditisme, de faire face à une situation de manifestation à caractère insurrectionnel et de constituer des primo intervenants dans le cadre d'une crise terroriste. Dans le scénario à venir, l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale, UGN, apportera son appui spécialisé à des gendarmes commandos d'un escadron confrontés à une résistance durcie. Dans la démonstration à laquelle vous assurez, vous apercevez la sécurisation de bureaux de vote puis la neutralisation d'individus armés. Le bâtiment situé en face de vous représente le bureau de vote. Le ruban rouge et blanc matérialise une caution. Yeah!
les gendarmes ont disposé des chicanes pour ralentir les véhicules. Devant le bureau de vote sont positionnés 4 gendarmes, dont un personnel féminin. Vous verrez dans quelques instants, à votre droite, des terroristes déguisés en mendiants. Toujours à votre droite, vous apercevrez sur la route des électeurs. Honorables invités, permettez que nous vous expliquions succinctement la démonstration qui se déroulera à l'expo. Le bureau de vote en face de vous ouvrira ses portes pour permettre aux électeurs d'accomplir leurs devoirs citoyens. Soudain, des individus non identifiés viendront donc perturber le scrutin. Les gendarmes les fuseront en utilisant des techniques de corps à corps apprises pendant la formation. Une fois les agresseurs sous contrôle, une patrouille viendra pour le transfert de ces derniers à la brigade. À la l'arrivée de la patrouille, deux individus en moto, en complicité avec les mendiants, qui seront à votre droite, forceront le dispositif des gendarmes et ouvriront le feu à leur passage. Aussitôt, les terroristes déguisés en mendiants prendront le combat à leur compte. Il s'en suivra des échanges de coups de feu jusqu'à ce que les gendarmes ne puissent continuer le feu dans leur progression et fassent appel à une unité spécialisée détenant des moyens plus adéquats pour faire face à ce type de menace. Il s'agit de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale UGN, dont la mission principale est la lutte contre le terrorisme. Il faut mentionner que dans la dernière phase de la démonstration, des tirs à balles réelles seront exécutés par des tireurs de précision de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale UGN. Toutes les mesures de sécurité ont été prises à ce défi. Place à la démonstration. Vous apercevez à votre droite l'arrivée des terroristes déguisés en mendiants. Les mendiants arrivent, ils s'installent. Vous apercevez à présent. Toujours à votre droite, l'arrivée des électeurs pour le vote. Ils s'alignent dans la discipline devant le bureau de vote. Deux individus non identifiés arrivent. Vous les apercevez, honorables invités, sur votre droite. Les individus non identifiés viennent perturber le scrutin. Les gendarmes s'interposent. Le agresseur sort une machette. Les gendarmes effectuent une parade, une anatémie, la mène au sol et le menottent. Vous assistez au minotage du premier individu. Apercevant une femme dans le dispositif, un second individu tente de s'en prendre à elle. Grande sur sa surprise, elle lui donne un coup de genou. Un coup de coude, puis un violent coup à la tête et effectue une rotation de l'omoplate vers le bas et le menotte. Honorables invités, mesdames et messieurs, vous assistez au menottage du deuxième individu. Un compte rendu sera effectué au poste de contrôle afin de demander une équipe pour le transfert des agresseurs. Veuillez écouter le compte rendu. Vous venez d'assister au moment rendu. À la gauche, l'arrivée de la patrouille. Veuillez regarder à votre gauche pour l'avoir invité. La patrouille arrive. Les gendarmes débarquent. Sécurisent les lieux. Honorables invités,
Vous avancez un peu sevré à votre gauche, l'arrivée de deux individus en moto en complicité avec le mendiant assis à votre droite. Ils forceront le dispositif de la gendarmerie et ouvriront le feu. Et regardez à votre gauche, l'arrivée de deux individus en moto. Les individus arrivent. Force le barrage. Vous apercevez à votre gauche, entre les paliers, la mise en place par l'évitation d'un appui à travers des plateformes sur tyrolienne et une échelle suspendue. Technique de défense opérationnelle apprise au cours du stage. Regardez la tyrolienne à votre gauche, l'appui se déplace. Regardez le palier à votre gauche, la pluie qui se déplace toujours. Une fois, la pluie installée, des équipes d'intervention se déplacent. De protection en protection. L'intervention continue à se déplacer. Protection en protection. Les terroristes lourdement armés fixent les gendarmes à l'aide d'une arme collective. Ceux de ne pouvant plus progresser, fixent le feu pour à leur tour fixer les terroristes qui se déplacent. Nous demandons un renfort d'une équipe spécialisée possédant des moyens adéquats pour faire face à ce type de menace. Mesdames et Messieurs, mon nom est Trafiqué. L'unité des renforts de la gendarmerie nationale d'Igène ayant une mission à la lutte contre le terrorisme sera mise en emploi afin de traiter les terroristes. Vous apercevez la mise en place des tireurs d'élite avant l'assaut de l'équipe d'intervention. Veuillez regarder sur le toit du grand bâtiment à gauche. Un tireur d'élite et un autre posté au sol, près du pied, un petit bâtiment à votre gauche. Les tireurs vont, avant l'assaut, neutraliser le terroriste possédant l'arme politique. Ce terroriste est représenté à votre droite par le ballon accroché au parapluie. Il faut regarder ce qu'il fait à votre droite et il faut préciser que le tir sur le ballon s'effectuera à balles réelles. Veillez suivre à votre droite la neutralisation du terroriste par les tireurs. C'est un tir. Nous sommes tous maintenant de montrer notamment la dextérité et le professionnalisme au niveau de l'entraînement, mais surtout l'approche tactique dont vous pouvez faire l'objet de cette erreur de précision. Le terroriste possédant le collectif vient d'être neutralisé par le sniper. En réalité, après la neutralisation du terroriste possédant le collectif, l'équipe devait automatiquement intervenir pour créer un effet de saturation. Mais la rapidité de la sécurité de l'action vous amène à séquencer les deux parties. Vous apercevez à présent des coups d'intervention de l'intervention nationale. Vous entendez des détonations. Les équipes arrivent, elles débarquent. Vous entendez toujours des détonations. Détonation, elle monte à l'assaut. À l'aide des boulons, l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale procède ensuite à un éclatement. Le terrorisme hors d'état de nuit, l'équipe d'assaut procède.
à la récupération des armes et à la fouille des terroristes. Vous assistez à présent à la récupération des armes à l'équipe de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale. Vous assistez aussi à la fouille des terroristes. L'action terminée, le chef d'équipe d'assaut demande le ralliement du premier groupe d'intervention sur leur position afin de procéder au transfert d'autorité permettent le décrochage de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale UGI. La sécurisation du lieu s'effectuera par la suite par le premier groupe d'intervention jusqu'à l'arrivée des officiers de la police judiciaire. Vous assistez au repli des éléments de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale. Cette unité qui a pour mission principale la lutte contre le terrorisme. Honorables invités, vous assistez à présent au décrochage du mouvement de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale de la zone de crise. La première équipe d'intervention reprend le contrôle de la zone d'action. À présent, arrive sur les lieux le véhicule de la patrouille. Les individus interpellés seront transférés à la voiture. Le véhicule de la patrouille arrive, s'installe. Vous assistez au transfert des individus dans le véhicule. Après le départ du véhicule, la menace écartée et la zone sécurisée, les officiers de police judiciaire ont diligenté une enquête après avoir relevé des empreintes sur la zone de crise. Ces investigations s'inscrivent dans le cadre de l'action judiciaire. Nationale. Tout ceci rentre la palette des missions que peuvent exécuter les unités de la gendarmerie nationale. Tout de suite, nous assisterons à la mise en place des nouveaux commandos.